Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et comme vous le voyez, on n'est pas du tout sur Minecraft, mais ça va parler de ça. Ça va être tout simplement les premières vidéos de ma chaîne. Je vais vous montrer dans cette vidéo la première vidéo Minecraft de la chaîne, c'est tout. Ça va être incroyable. Comme d'habitude, mettez un max de pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans et demi. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 12 ans, depuis le 9 mars 2013. C'était quelques mois après que j'ai découvert Minecraft. Et du coup, en fait, si vous remontez dans les plus vieilles vidéos qu'il y a actuellement sur ma chaîne, eh bien sachez qu'il y en a, ils disent « Ah, je suis là depuis ta première vidéo en mode pour essayer d'avoir un peu d'attention. Oh, depuis Cube Island, c'est-à-dire la première vidéo qu'il y a actuellement sur ma chaîne. » Sauf que ce n'est pas du tout la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne, c'était la genre 130e vidéo qu'il y avait sur la chaîne. En fait, j'avais une manie avant, c'était de supprimer toutes les vidéos, et depuis sur ma chaîne en tout je dois avoir 1600-1700 vidéos, mais sachez que j'en ai supprimé environ 300, dont les toutes premières. Et là c'est vraiment les toutes premières vidéos. J'avais 12 ans, j'avais un PC tout pourri, c'était en 2013, vous allez voir la qualité elle était horrible, mais j'étais déjà passionné par YouTube et par Minecraft, et vous allez le voir, j'étais déjà en train de construire des villes, ceci cela, et c'était juste en fait, genre vraiment, je ne me suis pas spoil, la dernière fois que j'ai dû les voir c'était à 2-3 ans les vidéos, et là j'aimerais vous les montrer. Donc il y en a plusieurs, même il y en a qui sont cachés par la caméra actuellement, je suis désolé si c'est le cas. Alors il y a une vidéo, la première, ça s'appelle comment construire un poulailler dans Minecraft, comment dessiner une main, construction d'une maison moderne Minecraft HD, HD s'il vous plaît, dessin en perspective, ma map solo Minecraft, canette de Coca-Cola géante et HHHH. Donc je sais pas ce que j'ai fait dans cette truc, je crois que c'était j'avais fait le titre, c'était la plus haute tour du monde je crois, visiblement je crois que c'était ça, ça me rappelle quelque chose. Alors la toute première vidéo de ma chaîne c'est dessin en perspective, voilà, c'est vraiment la toute première vidéo de ma chaîne, où j'ai sorti le 9 mars 2013, parce que avant de faire YouTube je faisais du dessin. Bref les amis, on va pas tarder, on va commencer. Juste j'aimerais voir alors, je vais aller dans propriétés. Alors, pourquoi AB Games? C'est parce qu'avant, je m'appelais AB Games, voilà. Je m'appelais pas Oximos, c'était mon pseudo d'avant. On a tous eu des pseudos un peu gênants. Bah voilà, moi, c'est celui-là. Alors, voilà, regardez. Média créé le 8-03-2013. Donc, c'est le 8 mars 2013. C'était un jour avant que je crée ma chaîne. À 23h, visiblement. Donc, j'avais 12 ans. Et j'étais encore réveillé à 23h, donc c'était le 8 mars 2013, what the fuck, je viens de découvrir ça, je savais pas du tout, hein. Je pensais que je l'avais créé le jour même où je l'avais sorti, ok. Et modifier le, ah ouais, alors, média créé, alors, ouais parce que là en fait, la date 2014, c'est à l'heure, c'est au jour où j'ai téléchargé les vidéos de YouTube pour les supprimer sur YouTube en fait, je voulais quand même garder une trace sur mon PC. Et visiblement, bah ouais, regardez, créé le 14. En fait, je les ai pas du tout créés le 24 mai 2014. Hein. Je les ai créés en 2013, sauf que je les ai téléchargés. Je les ai téléchargés en 2014 avant de les supprimer. Ok. Bon bah vous êtes prêts. J'ai envie de regarder celle-là. Je crois que ça a parlé d'une tour. Ok. Alors la plus haute tour jamais conçue. Ah ouais, j'étais en. Ah c'était. Ah les montages Movie Maker, incroyable. Ah il y a pas de son par contre. Ah je crois qu'il y avait pas de son. Oh il y a une. Oh faut que je vous la. Bah justement vous allez la voir après. Il y a une canette de Coca. Et du. Oh j'avais passé tellement de temps à la faire cette tour. Alors pour info c'était ma première map Minecraft et c'est là où j'ai vraiment découvert le jeu. Alors j'ai. Regardez. On peut pas voir mais j'étais en 1.4.7. C'était la version 1.4.7. Voilà. Elle venait juste de sortir un truc comme ça. J'avais une version crack, évidemment, hein, j'avais pas d'argent pour me la payer. Mais regardez comment je laguais, c'était horrible. J'avais fait des tours jumelles, j'avais fait une canette de coca géante, j'avais fait une petite maison avec une plage. J'avais fait, voilà, donc voilà, j'avais fait une espèce de phare et voilà. Et j'avais découvert Minecraft sur cette map, j'avais fait une espèce de chute d'eau, vous voyez. Et je sais pas si vous voyez ma souris, mais j'avais fait une chute d'eau. J'ai fait un petite rivière qui descend artificiellement en bas, qui va jusqu'à la mer. J'avais galéré à faire ça, je vous le dis. Donc vous voyez, les vidéos, elles duraient pas longtemps. Et c'était mes premières vidéos Minecraft. Y a celle-là, la canette de coca géante. Alors, s'il y a des... Alors, ah ouais. Ok, il y a des musiques. Alors, elles étaient copyright. Mais à l'époque, vous savez, le copyright, ça fonctionnait pas trop, le robot YouTube. Donc, je couperais les musiques. Donc là,
Alors, pour la petite anecdote, j'ai construit une canette de coca géante. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah, parce qu'à l'époque, c'était la mode, un peu, les trucs géants comme ça. Et surtout, il y avait une image qui tournait beaucoup. C'était une canette de coca géante. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Et en fait, il y a du coca qui coule sur un clipper. Et j'ai trouvé ça tellement stylé que j'ai voulu la refaire. Mais vous allez voir que ça rendait quand même moins bien. Parce que je savais pas trop faire des cercles en pixels et tout. Donc en fait, je construisais... Voilà, donc en fait mon PC laguait tellement que je préférais faire un espèce de timelapse, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a des bandes noires aussi, me demandez pas pourquoi. Je vais essayer de les enlever. Je vais essayer d'enlever les bandes noires, mais bon, voilà. Donc voilà, j'avais fait un bâtiment stylé, tu vois. Enfin stylé, il est horrible, hein. Aujourd'hui je le trouve horrible. Et par-dessus j'avais fait la canette. Vous voyez, j'avais fait la canette. J'avais bien commencé, je trouve que je m'en étais plutôt pas mal sorti. Mais vous allez voir qu'après c'était moche. Vous avez vu là, c'est stylé, je me dis ah ouais, ça va rendre bien. Et après voilà, donc je commence, là tu vois j'étais au charbon, et je passais mes journées sur cette map, hein. Franchement elle me rappelle trop de souvenirs, et je me rappelle, vous avez vu, derrière la chute d'eau, alors je vais revenir derrière l'espèce de grande chute d'eau que j'avais fait, j'avais peur d'aller plus loin parce que j'avais peur de me perdre dans la map et de plus jamais retrouver mon truc, voilà. Et finalement, comment j'ai perdu cette map, je pense que c'était un des moments de ma vie où j'étais le plus dégoûté. Regardez, j'ai marqué Coca parce que j'avais pas la place de marquer Coca-Cola. Oh là là, j'étais un gros crevard à l'époque. J'avais la flemme de finir la canette, donc j'avais fait plus petite et on pouvait juste marquer Coca. Bon, c'était quand même stylé, franchement. Et du coup, ouais, pour l'anecdote, sans faire exprès, je l'ai supprimé. C'était un des jours où j'étais le plus dégoûté de ma vie. Et du coup, pendant des semaines sur internet, j'avais regardé, ouais, comment récupérer des trucs supprimés et tout. C'était l'une des plus grosses catastrophes qui se passaient dans ma vie quand j'avais 13 ans, quoi. Et donc voilà, regardez mon PC qui lag, je savais même pas comment enlever les monstres. Il y avait des creepers qui spawnaient au-dessus de mon truc. Un jour, il y a plusieurs fois des creepers qui ont explosé ma baraque. J'étais devenu dingue. Regardez, je faisais du 1 FPS, sérieux. C'est horrible. Mais voilà, j'étais plutôt content. Alors, les amis, alors là, on va quitter parce que je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Voilà, je rentre dans la canette et voilà. Il faisait presque jour, bon, voilà. Là, je vais vous montrer, les amis, ma map solo Minecraft. Donc, c'est la map que vous avez vue, sauf que je parle. Je crois que c'est... Attendez, est-ce que je parle? Dites-moi que je parle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma ville. Je vous préviens, ça lag un peu. Je vous prie. Alors, si ça bug, bah, wow. C'est pas très très grave. Alors... Ah ouais, en fait à l'époque déjà j'étais dégoûté d'avoir un PC horrible comme ça. Alors, mais bon, j'avais pas le choix. Je l'avais payé avec mon argent d'ailleurs. C'était un PC portable que j'avais payé genre 300 euros à l'époque. Oh là là, on entend la ventilation de mon PC, j'avais pas de micro. Ah ouais, j'avais agrandi, j'avais fait une fausse grue ici. Oh là là, une grue très mal faite, bah. Ah, j'aimerais bien la re-upload en entier cette vidéo pour que vous voyez quand même. Pour que vous la voyez en entier. Mais j'avance un peu. Là, j'avais fait une mine. Là, c'était. Je sais plus ce que j'avais fait. Ah, à côté, là, c'était une espèce de bibliothèque et j'avais fait un poulet à l'intérieur. Regardez, un poulet géant. Ah, c'est une piscine. Et en haut, il y avait les vestiaires. D'accord. Oh, comment je laguais. Ok, là, j'avais montré la plus grande tour. Mais vous avez vu, j'ai toujours été passionné par les villes. Ah ouais, alors, vous voyez cette maison-là? Je l'avais vue d'un tuto il y a ultra longtemps et je l'ai refaite en tuto après. Et, enfin, vous allez voir. Vous allez capter cette maison. Je la trouve super belle. C'était une de mes maisons, je la trouvais incroyablement stylée. J'avais fait une forêt artificielle à côté, ça me tue. Ah, j'avais fait la technique de build pour avoir une télé. Regardez, j'ai mis une peinture. Vous avez vu le poulet géant dont je vous parlais, là? Il a un œil plus grand que l'autre. Là, ok. Et là, il y avait de la neige. Là, il y a un terrain de tennis. Il y a un terrain de tennis. Celle-là, il y a des bureaux. Ah, j'avais fait des bureaux. Ah, j'étais trop mignon à l'époque, wesh. Des commentaires aussi. Ah, j'ai dit quoi? Laissez-moi des commentaires aussi. Ouais, je mendiais des commentaires. Si vous avez un logiciel qui peut faire des captures d'écran, mais qui bug pas comme ça, là. Waouh. C'est énervant.
J'étais déjà énervé. Je demandais aux gens s'ils avaient pas des conseils et tout. Bah ouais, parce qu'à l'époque je filmais avec un logiciel qui s'appelait Fraps et c'était vraiment horrible. Ok, bon, vous avez vu, je présentais ma ville, j'étais tout petit et voilà. Après, ça me fait bizarre de revoir ces vidéos. Après, les autres vidéos, alors je vais vous montrer celle-là. Les autres, elles sont pas importantes, c'est des vidéos. Regardez les amis, cette vidéo, c'est le bah du coup vous allez comprendre quel tuto de maison je suis en train de faire. Je suis en train de faire, attention, bah voilà, vous voyez. Et en plus, je passais, mais non, je savais pas passer le jour, donc je restais comme ça, je faisais un timelapse. Mais, what the fuck, il avait duré longtemps. Et regardez le tuto que je fais, bah voilà, c'est cette maison-là. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous tapez Let's Build 1, et bah je l'ai refait en tuto quelques années plus tard, et je reparle de cette époque où je faisais ça, voilà. Voilà, où j'avais fait ce tuto. En fait, tout le temps, je rends hommage à cette maison. Je la trouvais vraiment stylée à l'époque en même temps. Ce jeu de couleurs, de gris, de blanc et tout. C'est vrai que c'était vraiment stylé. What? Pourquoi je mets Creeper? Bon, les amis, voilà, j'étais un peu ravagé à l'époque. Bref, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. C'était mes premières vidéos Minecraft. C'était pas mes premières vidéos tout court. Ma première vidéo tout court, c'était la vidéo de dessin que vous avez vu vite fait, mais on va pas la regarder aujourd'hui. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je vous la montrerai. On verra. Bref, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, c'est le plus important. Et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oximos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.